Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Fable Anniversary sur PC. La dernière fois on s'était arrêté en faisant quelques petites quêtes annexes, et là on va tout de suite continuer avec la quête principale, qui est de nous rendre à la prison. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi aussi. Et j'ai vu qu'on était à peine à la moitié du jeu. Eh ouais, la moitié du jeu. Sur des flammes, nice. Et direction le cimetière de je sais plus quoi. Voilà, de Lichfield. Allez, c'est parti. On dirait qu'il y a un passage là-bas en dessous. Par là. Dégage de là, vieille pustule. Je n'ouvre qu'un ostre. D'accord, nostro. Voyons voir ce qu'il y a là-bas. Vous en avez une complète, ça doit valoir une fortune, ça. Ouais, j'ai ouvert la crypte et c'était juste posé là, comme ça. Vous devriez la cacher pour ne pas qu'on la vole. Pas de souci, je l'ai planquée dans le cimetière. Elle est impossible à trouver, pas même pour les morts vivants qui s'y baladent. Il n'y a que le casque que je n'ai pas réussi à cacher avant leur arrivée. Il est bien où il est, et je garde les portes fermées jusqu'à ce que je vende le tout. Chut, c'était quoi? Il y a quelqu'un dehors. J'y vais. Oui. Sortez de chez moi, maudit paysan. D'accord, je m'en vais. Je voulais juste dormir au chaud. Ah, le truc complètement con. Chut, y'a quelqu'un dehors. Allez, trouve une excuse. L'appel. Hey, bonjour. Affaire de la guilde, hein? Vous voulez passer les portes de l'ancien royaume? Ça fait des lustres qu'elles n'ont pas été ouvertes. Il est dit que seul Nostro, le gardien, peut les ouvrir. Mais le vieux Nostro est mort il y a quelques centaines d'années en emportant son secret dans sa crypte. Je suppose que vous voulez entrer dans le cimetière. Allons-y. La crypte de Nostro est tout au bout du cimetière, en haut de la colline après la rivière. D'accord. Les morts s'animent encore. Je vous l'avais. Oh, j'ai one shot. Ça va. J'ai one shot, c'est méga easy. Ça lui m'a fait peur. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Arrête de crier! Oh, il est chiant hein. Alors pêchons. Voilà.
Ces vieilles tombes n'ont pas été touchées depuis longtemps. Clé d'argent. Oh, nice! Bougez, s'il vous plaît, merci. Bon, je vais pas regarder toutes les tombes, hein. Il y a juste lui que je one-shot pas. Trois coups lui. Je l'ai vu derrière. Concentration. Allez, je tiens un poisson lune derrière. Coucou. Cela provient peut-être des montagnes. Mon vieux chariot, il faut que je répare. Attendez, c'est un équipement ça ou... Voilà, ça sert de clé. Ça doit servir de clé. Il n'y a rien là en bas. Que recherchez-vous? Et voilà. Et on passe par ici. Mon armure, mon casque, mon épée et mon écu. Trouvez-les et la voie sera libre. Vous ne pouvez pas m'attaquer seul à ces vignes. L'épée est enterrée. Si votre audace s'en borne, tentez la tombe à cornes. Des queues. Ah bah laissez-moi deviner, c'est le casque. Ah non, c'est la canne à pêche. Qu'est-ce qu'il veut lui? Du chocolat? On l'aura pas. Thank you.
Voilà, ici. Vous saviez que c'était enterré là ? J'ai tellement envie de le laisser mourir, lui. Alors, là-bas, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Devez-vous vraiment explorer ma hutte ? Allez, go, go, go. On fout un des ennemis maintenant. Franchement, on fout pas. XP gratos. Alors, t'as aidé le vieux à récupérer son armure. Alors, je te laisse passer. Mais attention, ne laisse pas de traces de doigts sur moi. Et voilà, on y va. Pourquoi il me suit ? Lâche-moi ! Attendez ! Bon, je le fais tous hein. Tu m'avais d'XP. Pas l'air d'avoir de limite hein. On va essayer de remonter à 25. Je retombe à 10, on laisse tomber. Attendez, je farme juste un peu. Hein. Je regarde un truc qui me faut encore combien de... Ah d'accord, j'en ai assez. Ce que je vais faire, une petite ellipse, le temps de farmer un peu ici. Allez, ellipse. Et me revoici. Donc j'ai un peu avancé, pour un peu cleaner tout ce qu'il y a après. Donc finalement c'était pas infini, donc j'ai tout fait. Hein. J'ai dû gagner à peu près encore 5000 de poussière. Vous n'êtes pas autorisé à continuer. Et alors ? Oh, moi je suis pas autorisé. J'y vais, hein. Il garde cette porte, vous ne pouvez pas passer. Ah ouais. Ouvrons ça. Allez, viens. Moi je vais te chercher l'ami.
Et voilà. Et bah go. C'est ouvert, donc go. Le cercle des morts. Alors d'une belle zone tout ça. Alors, un coffre 10, on prend. Amélioration de perforation, d'accord. Oh, quel CP? Ah, c'est ça qui s'ouvre. Vous recevez une nouvelle quête. Choisissez vos quêtes à la guilde. Ok, donc là on va faire quelques quêtes, une quête annexe pour finir ça. Je veux juste accéder à cette zone. Ah bon, on est obligé de la faire. Bon, on l'a fait, allez, c'est parti. Ah non, attendez. Okay, on est là. Donc on va se téléporter... Ouais. On va se téléporter à la guilde des héros. Allez à la... Ok. On va améliorer notre puissance ici, voilà, ça on augmente. Ça on l'augmente. On peut pas l'augmenter. Ce que j'ai augmenté c'est ça. Deux fois. Trois fois. Ah, j'ai vendu. Est-ce que je peux améliorer ralentissement, il me faut combien? 47 000. Je peux pas, donc on va améliorer. Ah, rien. Vous êtes maintenant assez furtif pour utiliser l'expression crocheté. Ce qu'on va faire là, c'est... Ah, ça va, il y a un truc avant. On va aller... ici. La quête de chasseur de primes, je la ferai hors vidéo. Ce qu'on va juste aller faire là, c'est retirer l'épée de... enfin l'épée de sa stèle quoi. Vous voyez, il y a tout plein de cœurs. J'ai combien d'argent? 17 000, ça va. Ça peut aller. J'ai vu, on devra affronter un Kraken. Ça va être chaud. Ah, j'ai l'impression, vu qu'on a vu ça sur la map. Allez, laisse-moi la faire. Je...
Ouais, j'avance. Et puis c'est tout. C'est par là. Je trouve baraque. Baraque U. Et je crois savoir ce qui va se passer après avoir sauvé notre mère. Mais il y a une chose que je doute, je sais pas si ça va avancer dans le temps ou pas. On va soulever l'épée. La laisse le pays. Laisse-moi essayer de la voir. J'ai l'auréole des papillons. Allez, normalement là c'est bon. On croise les doigts, voyons ce que peut faire le héros. Comment ça, ça fonctionne pas? L'épée de Yu reste dans le roc? C'est peut-être mieux ainsi. Vous auriez plus de chance. Yeah, Yu devait être très fort. Revenez quand vous voulez. Oui, bah donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était Zeus, pour la chaîne Nippon HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo!